Bah, beaucoup mieux. Alors, mon squiggly, ça va bien? T'as été bien malade, toi? Bah oui. Mais enfin, non, bon. Elle est bien aujourd'hui, là. Je te présente Daniel Lawa, monsieur. Enchanté. Docteur Klein. Très content de vous voir, ici, là. Eh bien, venez, parce qu'il y a Gilbert, celui-ci, qui est arrivé d'Afrique, mon fils. Mon fils? Ah oui, il arrive d'Archambault avec des tas de choses. Oh. Ben, viens, je vais te les montrer et puis on va soigner. Écoute, venez, venez avec nous. Oui, oui, venez, venez. Tiens, allez, viens. Spigli, doucement. Viens, entrez. Spigli. Viens, Spigli, n'aie pas peur. Entrez, enfin, n'aie pas peur. Voilà, tiens, venez voir. Gilbert, viens voir. Oui. Viens, je te présente Daniel, tu connais pas ma grande amie, là. Et monsieur Daniel Lavoie. Ouais. Alors, tu sais, bon, ben la chaîne était malade, mais il faut que je te parle de Gilbert, parce que tu sais, il était en Afrique, là, au Tchad, oui. Et puis à fois à Archambault, et puis en RCA, près du Soudan, il s'occupe de panthères, il y a un tas d'autres choses. Tiens, tu vois, il m'a ramené une panthère, là-bas. Spigli. Mais écoute, alors on va aller le soigner. Ben, il a fait de la pyroplasmose, tu sais, des babésies avec des tiques dans la forêt de Fontainebleau. Ah, et puis voilà, parce que là, dimanche. Ou... Non, je vais le faire, on va te laisser tranquille, je vais le faire. Et puis, tu sais, bon, ben, ça va, je l'ai soigné hier avant-hier, mais là, je vérifie quand même, tu vois, s'il n'en reste pas. Okay. Puis, je vais venir piqûre, là. Tiens, je te laisse peut-être pendant ce temps-là. Viens, on va le faire. Parce que... Et je te laisse avec monsieur Lavoie, là, comme ça, tu peux lui faire voir si tu as. Ça l'amuse, là, un petit peu, qui regarde la panthère ou le reste. Vous vous intéressez au là. Yalta. Yalta, Là, on lui a administré des antibiotiques et Yalta, comment ça va? Ça va? Ouais, magnifique. T'es belle, hein? Belle. Chut, gentil. On se calme. Ouais. Alors, et puis j'ai ramené aussi plusieurs choses. Je me suis intéressé un tout petit peu aux papillons. J'ai ramené d'Afrique cette collection qui est assez spéciale. Vous vous intéressez aux papillons? Pas plus qu'il faut. C'est beau. Alors ce sont des papillons d'Afrique, plus particulièrement du Tchad, et chaque espèce vaut entre 5 000 et 10 000 francs pièce. Alors je vais vous montrer ici, ça c'est la photo de papa quand il était là-bas, avec un lion. Ça ici c'est une carabine avec laquelle on tire sur les animaux pour leur injecter des médicaments avec des seringues hypodermiques. Mm-hmm. Attendez, tenez là, je vais vous montrer. Aïe. Vous avez fait la première fois? Parce que vous avez appuyé sur la détente? Oui. Vous êtes sûr? Tu l'as eu dans la... Attends, viens ici. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est léger. Non, attends, c'est trop ça. Non, de toute façon, il n'y a rien dedans. Jean-Pierre est habitué à ça. Il prend ça à la légère. Oui, mais non, mais il a été avec moi les 6 derniers. Les 6 premiers mois au Tchad. Non, ça va aller. Vous ne vous mettez pas quand même. Si, il faut peut-être me mettre quand même en pilote, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, elle démarre toute seule. Non, je vais. Attends. Non, c'est pour ça. Ok, elle était. Non, elle n'est pas rechargée, il n'y en a pas dedans. Elle n'est pas. Mais non, il n'y a pas de seringue dedans. Vous faites ça, écoute, moi j'ai déjà. Oui, je sais, mais il y a une seringue seulement qui peut aller là-dedans, donc il n'y a pas de problème. Non, écoute, de toute façon, il se peut qu'il y ait peut-être une petite goutte de liquide, alors je vais aller chercher l'antidote. Ouais, mais tiens, assis-toi, vous pouvez lui faire la conversation en attendant, parce que. Mais non, il n'y a pas de problème. Assieds-vous. Je vais t'administrer l'antidote et puis je reviens. Vous m'avez pas raté, hein? Mais écoute, je sais pas comment c'était malade. Non, mais c'est pas de votre faute, c'est extrêmement sensible. Mais ça dit, vous visez bien quand même. Oula, je vous ai donné. Heureusement que vous n'avez pas touché la bête parce que ça doit speeder, non? Ouais, ça. Ça fait quoi? Dans un premier temps, ça fait un peu des chaleurs comme ça. Bon, après, il va me mettre l'antidote un peu vite parce que. Mais prenez ça très à la légère.
Non, mais c'est rien du tout. J'ai déjà été piqué une fois, pas ici en Afrique. Et puis, on s'en sert sur des animaux qui sont beaucoup plus petits que nous. Elle, là-bas, ça leur a fait très mal. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Non, ça va. Pas très bien. Mais je préfère me dégourdir un peu les jambes parce que ça ankylose un peu, là. Non, mais il va revenir, il faut le préparer un petit peu. Il y a deux ampoules à casser l'une dans l'autre. Pas bien non plus, il va falloir m'administrer quelque chose parce que... Thank you.